Dans le dernier épisode, on se déplaçait à Asnières et Adèle affrontait son ancienne équipe avec qui ça s'est chauffé. Mais gentiment. Non, mais y'a rien, je rigolais avec eux, frère. Cette semaine, on reçoit Amiens pour un match événement car il sera rythmé d'un concert avant, à la mi-temps et après le match, une première en France. C'est presque le Super Bowl en fait. Wesh, c'est Louis Sartel, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue dans un nouveau match à domicile. Aujourd'hui, événement national. Franchement, on va marquer l'histoire aujourd'hui, ça c'est très cool, pas seulement par le foot, mais aussi par tout ce qui entoure ce match d'aujourd'hui. Vous pouvez voir derrière moi, c'est un peu loin, mais il y a une scène, c'est la scène de Guitare en Scène qui organise du coup un concert aujourd'hui. On aura notamment le groupe Wigwam, ceux qui ont fait la musique d'entrée des Bengals cette année. Et ça va être incroyable, franchement ça va être incroyable. Ouais, la scène elle sera ouais, là-bas. Trop bien la scène là-bas, mettre la scène à moitié sur l'herbe. Et là ce sera genre le VIP concert, sinon tu pourras faire concert depuis les tribunes. T'étais à l'envers gros, on va aller voir ça de nos pleins yeux. Imagine on doit faire un field goal frère, pam en plein dans la régie. JP en régie, on a un petit problème, on a un ballon là. Il y a deux écrans géants aujourd'hui. Ça va chanter là, petit concert, tout est carré. Ouais je fais Tecos. Yeah. J'adore la gratte. Phoenix, t'en penses quoi? J'adore le rock. Donne-nous ta chanson de rock préférée. Exactement, c'est ça, YMCA. Oui, chez moi c'est pareil. Tu connais bien le rock toi? Ouais. C'est qui ton rocker préféré? C'est Dadju. Ton visage entier est vible, c'est pas normal. Pourquoi tu te téléportes là? Putain gros, j'ai vu de ces trucs, j'ai vu le futur mec. Toi c'est qui ton rocker préféré Paul? En rock, je kiffe les Beatles. Refaites la scène tous les quatre où ils marchent sur le passage piéton, c'est dans l'autre sens. Les beats. Eh non Kevin, c'est dans l'autre sens. Regarde, c'est dans l'autre sens et là tu marches. Là, tu c'est marches. Ça. Marche, vas-y. Continue, ça fait le focus. T'arrête pas. Ah, t'es pas mal là, continue. Bientôt là. Attends, je zoome vite fait, continue. Encore Kevin, continue. C'est fou d'être aussi cool. Whoopiness les zizi top. Il est trop fort. Tan. Gros, de rien, faut que je te dise un truc. Je crois qu'ils ont remis l'écran géant. Ils en ont pas mis un. Arrête. Ils ont mis deux écrans géants. Wouah, l'écran géant, ma gueule! Qui kick les field goals là? Christophe. Gros, faut qu'il kick l'écran, genre. Grand trace au mieux. Ok, je fais que ça. Fais la tornade. Ouais, mon pote. Je vais essayer, c'est de la vodka pure. Non, ça va pas faire, refais. Là, il se noie. Il est en train de se noyer. Non, mais il faut que tu retournes. Non, c'est. Tu retournes et après tu. Et après tout. D'abord tu mets. D'abord tu penses, retournes. Et là tu tournes. Après... Oui. Non. Après, faut que je te laisse un peu d'air. Non. Ouais, je suis bourré déjà. C'est très équestre hein, comme musique. Il y avait pas ça au Molos. Bon, une fois, on a essayé de mettre une grosse enceinte, frère. Là, toute la ville a porté plainte. Genre vraiment, genre. Elle a dit arrêtez, vous faites trop de bruit le samedi soir, y'en a qui dorment et tout. Genre. Bah, après, il y avait peut-être du booba, genre jusqu'à 23h du matin. Mais à chaque fois qu'on arrive au stade, ça joue Life is the Highway de Rascal Flatts, c'est la musique de Cars, c'est notre musique avec Adèle. Enfin, c'est des voitures. Ce serait quoi comme voiture, toi? Nissan Skyline. Voiture de Ryan O'Connor dans Fast. Non, enfin, c'est Fast 3. 2. Puis bon. Ça, faut qu'on se resynchronise. Synchronisation. Toi, tu serais quoi comme voiture si t'étais une voiture Félix? Une Fiat Panda, couleur vanille. Idriss, oui. Si t'étais une voiture, tu serais quoi comme voiture? Une Clio 2. Campus? Ouais, Campus. Allez, wow. Simon, si t'étais une voiture, tu serais quoi? Lamborghini Aventador. Je serais une 4L parce que je suis quelqu'un d'assez nostalgique. C'est naze, hein. Non, c'est... Mais imagine une 4L Transformers, gros. Oh, t'as pas un mauvais film, moi. Ouais. Tu connais ça? Moi, c'est lui, gros. C'est Wigwam, ça. Vas-y, viens. Tu vas t'envoyer. Oh, c'est ici. Je suis fatigué. Je regarde dormir. C'est ma voix pour ta pesée. Je pensais pour toi toute la nuit. Est-ce que tu as vraiment écouté leur album? Non, mais juste pas leur album, juste cette musique parce que c'est un montage dessus. Et en vrai, elle est dingue. En vrai, elle est vraiment dingue. Et il y a une vidéo des Bengals dessus. Ils retracent toute leur histoire des playoffs. Trop bien, gros. Moi, j'aime bien ton. Moi, je suis un rocker. Je suis un rocker step. Petit tuto rocker step. Rocker step, c'est un move au football américain. On se fait ça et t'es là. Bah, en fait, j'ai bien fait. Hein. Ouais. Je serais incapable de faire ça en match. Je vous mettrai une vidéo d'un rocker step. Mettez des emojis rock'n'roll dans les commentaires et dites-nous quel est votre rocker préféré. Ah, il parle en norvégien. Je suis bédiche. Ah, c'est allemand ça. Anna Namnakab. Non, c'est turc. Bonjour Léo Sartel, ça va? Ça va Guillaume? Ouais, ça va. T'es content aujourd'hui? Trop bien, on a une question pour toi. Oui. C'est qui ton rocker préféré? Wigwam. Wigwam, ouais. Waouh. Et si t'étais une voiture, c'était quoi comme voiture? Une Dacia Sandero. Fiat Multipla, sinon. Un petit bourrelet, 1m10. Tu vas. Qu'est-ce qu'il y a? Film ça. Arrête gros. C'est bizarre de faire ça, les gars. Film là. Chaque fois que je le vois, Guillaume, je suis content de le voir. Chaque fois que je le vois, je suis dégoûté. Gros. Je pète mon crâne. Cyril le monteur, remets pas ça. Gros, t'as pas de monteur, Cyril. Alors, 40 000 abonnés, t'as pas de monteur. T'as dit Cyril le monteur. Y'a pas de monteur. C'est si, y'a pas de monteur. Si, je le connais, Cyril. Cyril Meunier. Cyril Meunier, monteur, t'as monteur de terre en plus. Ah, t'as monteur, félicitations. Moi, j'ai toujours soutenu, frère. Vraiment. C'est dingue. Oh là là. Alors là. Je vais me le faire. Donne-moi ta veste.
montre. Ah tiens, bonjour. Hey. Gros, tu vas super vite avec ces lunettes, montre un peu. Tu crois? Wow, gros, t'es allé si vite. C'est grâce à les lunettes qui vont vite. Oh, Brett, what's hey. Up? Oh, we have two questions for you. Yeah. What's your favorite rock band? Red Hot Chili Peppers, No Wigwam. And if you were a car, what car would you what be? What car? Yeah. Range Rover. What's up, G? I'm an American. Non, t'es de rien, en gros, ça fait genre 10 ans que tu joues au club. Désolé de niquer ton délire, hein, mais... Toulouse. Oh. Tu penses quoi d'être cheerleader, gros? Guillaume? Non, non, mais... Guillaume, reviens! John, tu penses quoi d'être cheerleader? One, two, black! One, two, win! A few moments later... On s'est changé, petite inspiration de flow de Josh Dunn, receveur de Carolina. On regarde sur Instagram, on vole des flows, on les adapte un peu. Je passe la caméra à Anaïs, la boss qui est là encore pour filmer cette semaine. Ça va être carré grâce à elle. Profitez, concert d'avant match et tout, elle va tout vous montrer cet événement particulier. Pensez à mettre des likes, à vous abonner. On est parti, nous on va s'échauffer tout ça. Pendant que vous avez profité du concert de rock. Tu fais beau, le concert c'était bien. Ouais. Match contre les Spartiates, on les a battus à l'aller chez eux. Il y a du monde, sa mère, c'est vraiment rempli, ça fait grave plaisir. Bon match à tous, appréciez cette vidéo, c'est parti.
dans les lèvres, ça fait du bien, c'est important. Petite mi-temps, un concert cool, ça va être si long, j'enlève même mes crampons. Et voilà, après on va reprendre hein, dans 40 minutes à peu près. Tu vas aller profiter du concert? Bah, je vais rester là et faire une petite sieste. Sur le terrain, je vais filmer depuis les gradins, donc les plans vont changer. Ce n'est pas de ma faute, il pleut des cordes. On a gagné, c'est cool. Content mais pas satisfait. Il y a tellement de monde, on n'entend rien, c'est trop cool, les tribunes elles sont remplies. Voilà, on va voir qui est le MVP. Et moi je parie sur, je sais pas, je pense que ça va être Kandar, mon coloc, mon ref.